Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de Burnout 3 Takedown. Bon, allez, j'ai eu le jeudi pour me reposer. On est vendredi, on est en pleine forme. Du moins, on est vendredi matin, en pleine forme. On retourne en Europe pour voir ce qu'il nous est possible de faire. Donc là, je vois un tour boost. Alors, je vais pas commencer avec le tour boost. Hein. On va commencer avec le duel, ça sera plus simple. De retour sur Crash FM. Ok, vous voyez les petits bâtiments au milieu de la route et à mi-distance? C'est le péage. Mais heureusement, on a négocié et on n'a rien à payer. Enfin, on a essayé au moins. Il reste plus qu'à foncer dessus le plus vite possible. Haha, à tout de suite sur Crash FM. Haha, c'était marrant. Ouh là là. Je suis mort de rire. Tu as autant d'humour que moi, dis donc. Enfin, bref, ouais, il y a un tour boost. Ouh. Ouais, à mon avis, j'ai pas fini de le faire, celui-là. Bon. Ok, j'ai des infos takedown pour vous. Allez. Écoutez ça. Quand concentration. On y croit, on y va. On a transporté. Attention à ces camions viticoles. Ah mon Roger, c'est si bon le pinard. Eh merde. Ah voilà. Ah, je lui laisse un peu d'avance. Ah, je suis confiant aujourd'hui. J'ai bien dormi cette nuit, je suis en pleine forme. Puis disons que ça va faire maintenant plusieurs courses que je fais où je gagne à la limite d'être deuxième, mais je gagne quand même, donc je ne sais pas pourquoi le jeu a décidé d'être gentil avec moi ou d'avoir pitié, je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Alors je suis confiant. Bon, faut pas que je sois trop confiant non plus parce que ma conduite est pire que d'habitude. Ah, mais non, quand même, il aurait pu se la prendre avant moi. Ah, monsieur va faire des tonneaux après. Ah, monsieur a des bouts de luxe, préfère avoir un accident tout seul. Mélange pas les torchons et les serviettes, c'est ça? Mélange pas les pneus Michelin et Continental. Bon. Ah mais t'es tenace mon gars. Oh la vache. Non mais le genre je sais pas pourquoi dans ma tête ça passait. Alors que pas du tout. Non. Non, 3 secondes. Attends, j'ai juste d'avoir le crash. Allez, ouh, merci beaucoup. En plus, je crois que je suis pas loin de la fin. Ouais, ah ouais, putain, la vache, le coup de chance encore, regardez. Non, mais sans déconner. Waouh. Nouveau véhicule débloqué. C'est normal, c'est un duel. Le mec, il se rêche à la fin. Comment j'aurais les boules si j'étais lui? Donc j'ouvre pas trop ma tronche, je fais pas trop le malin parce que je suis pas à l'abri que ça me rive quand même. Avant la fin de cette vidéo. Alors, qu'allons-nous gagner? Ah mon dieu, une voiture, un modèle 4 roues. Le prototype coupé. Ok. Oh
Bon allez, ma foi. On y va. Mon tour boost. Ouais, bon, ça va être la vidéo du montage. Vous écoutez Crash FM. Pour leur retour en Europe, les burners vont pulvériser tous les records et déchirer toutes les zones de crash sur leur passage. Ouais, je vais surtout déchirer mon temps, savoir, moi, tiens. Les dernières news, c'est sur Crash FM. Ok. Sport type 1. La voiture qui chasse du HUC. Qui chasse pas, hein. Elle chasse. Du quoi, elle glisse, quoi. Parce que la voiture qui chasse, bon, a pas de fusil non plus, pas exagéré. Salut, ici Starman bon, sur Crash FM. Allez, si on faisait tourner la roue au casino, ou plutôt les quatre, celles qui font du bruit, ah, j'arrive pas à faire moins de 1,19 à chaque fois, je me crache comme une merde. Ça commence à me gaver. Allez, on y croit, on se concentre, on essaye de prendre au mieux les virages et au pire si on les prend mal, c'est pas grave, on met le nitro, on cède des murs ou des remparts de sécurité pour prendre le virage. Voilà. Merde. Je pensais qu'elle serait partie droit et c'est pas, je vais mettre le nitro. Oh là. Bon, déjà là je suis en avance. Carrément en avance d'ailleurs, j'ai pratiquement 10 secondes comparé au tour que je fais habituellement. Là en temps normal je me suis déjà pris un crash. Donc ouais, les crashs ça fait pas du temps. Ah mais je suis carrément dans les temps même. Putain. Tour sur Crash FM. Ah, la Riviera. Il m'aura fallu richesse, star et beauté. 6 tours eh, si j'ai que la de beauté, circuit quand même vivre ici. Enfin, pour bref, pouvoir faire place à la un course. Temps carrément bien. Oh la vache, c'est vraiment abusé. Abusé de ouf. Allez, Eliminator ou nouvelle course. Oh, mais qu'est-ce que j'avais okay, fait. Ok, j'ai des infos takedown pour vous, écoutez ça. Le prix de l'échec sur le tracé alpine est très élevé. Au moins, on en a pour notre argent. Là, je baille comme si j'étais fatigué moi, mais c'est fou ça quand même. D'ailleurs on va prendre cette bagnole je pense hein. Parce que bon, elles sont toutes pareilles là, les sports poids à 1 et le reste à 6. Enfin si j'ai bien vu. Ouais, 2, 4, 6. Ouais, on va la laisser noire hein. Le noir, c'est bien le noir. Oh, à vrai dire, on s'en fout de la couleur de la bagnole. Alors, hein. Votre attention. Allez. Ces pilotes sont concentration. Dans les plus brefs délais pour une course de vitesse. Oh, et oh, ils vont se calmer eux quand même. Oh la vache. Il y a pas un sauteur devant moi l'autre là quoi. Oh, et oh. Mais hey, c'est bon là les gars, tranquille. Ça va, c'est la fête du pneu. Non mais sans déconner, que si tu veux que j'appelle Carglass, toutes mes vitres sont explosées moi. Sans déconner. Tiens, roule contre les murs.
tiens. Hop, dégage. J'ai dit dégage. On est où? Je le connais. Je crois que ma manette, elle doit apprécier quand j'arrête de jouer à ce jeu. C'est un truc de malade. Ah ouais, mais vous pouvez pas savoir, des fois j'appuie sur les touches directionnelles, mais tout à l'heure il y en a un qui va rester coincé dans la manette. Ah, quand je fais des takedowns, des fois j'appuie comme un taré. C'est genre, plus j'appuie fort sur le bouton et plus la voiture va être fort dans l'impact, quoi. Alors que pas du tout, pas du tout. Enfin bref. Bon. Oh bah oui, bah logique. Quelle idée. Il y a bien que moi qui peux me dire bon non ça passe, alors que pas du tout. Ça dégage toi. Bah super, merci pour le demi-tour. Tu sais, j'ai un rétro pour voir ce qui se passe derrière, j'ai pas besoin de me retourner comme ça quand même. Voyons. C'est surtout qu'elle est où la ligne d'arrivée là? Parce que je fais le rigolo, je fais le rigolus, mais... Elle est où la ligne d'arrivée? Ah bah elle est là. Eh, sans déconner, le jeu, merci le jeu parce que... Il doit avoir pitié de moi en fait, il dit ouais c'est bon, il a galéré pour le tour boost. Allez, vas-y, fais-lui plaisir, laisse-le gagner sa petite course, là. Tu lui mets, allez, 2-3 millièmes de seconde sur la voiture adverse, comme ça va être content. Non, j'avoue que je gagne quand même sur vraiment rien, quoi. Je pense que après avoir fait mon let's play de Burnout 3, tiens, le Super Customers. Ok. Mais je pense qu'après mon let's play sur Burnout 3, je vais voir pour essayer d'investir dans un bon micro, pas un micro hors de prix, parce que je m'étais déjà renseigné. D'ailleurs, il y avait une personne. Qui avait créé sa chaîne YouTube en même temps que moi j'avais commencé à faire mes vidéos. Et il avait acheté son micro, je crois que c'est quelque chose comme 250 balles. Et au bout du compte, sa voix était bien hein. Quand il parlait tout, c'était pas comme moi, hein. C'était pas caverneux ou des fois ça faisait pas des sons vachement bizarres. Mais il avait un problème avec son logiciel, c'est qu'il pouvait pas enregistrer plus de 3 minutes de voix. Enfin, c'est ce qu'il m'avait expliqué, il avait un logiciel qui était super bizarre, d'ailleurs je me rappelle plus du nom, c'est un truc de ouf. Okay, j'ai des infos. Et il pouvait pas enregistrer plus de 3 minutes. Écoutez, alors quand il faisait des let's play ou des lives, ben, les gens l'entendaient, mais à chaque fois il fallait qu'il clique sur le truc enregistrer, parce qu'en fait ça s'arrêtait automatiquement, et il était obligé de relancer l'enregistrement à chaque fois. Enfin, quand il faisait ses montages de vidéos, des fois qu'il faisait des vidéos d'une demi-heure, il y avait je sais pas combien de vidéos à mettre, et que le son des fois était pas super top top, bah toujours mieux que moi, mais... C'est pour ça, mettre vachement cher dans un micro, c'est pas forcément mieux. Donc, je pense qu'il doit y avoir des micros qui coûtent entre 110 euros, je pense que ça serait le grand maximum que je mettrais dans un micro, sans déconner. Pour le moment. Après on sait pas si un jeu... Ah merde, putain, je me crache avec la bagnole que j'ai crachée. Enfin, ça, c'est un sacré combo. Si un jour je m'en sors bien dans ma vie et que je peux dépenser, je peux vraiment me faire plaisir sur du matos. Oui, je le ferai volontiers. Mais là, pas. Personnellement, ça me fait chier de foutre plus de 100 balles déjà dans un micro. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, je vais voir, c'est que durée de vie, c'est pas non plus énormissime. C'est que moi, si j'ai un truc, c'est pour que ça me jure, quoi.
La joie, j'avais acheté un micro, je l'avais payé 80€. Le son, il était bof. Et qui plus est, en plus, le micro, il m'a fait, je crois que ça doit être un an et demi ou deux ans, je sais plus. Ça fait, c'est quoi, moi je trouve que ça fait cher pour un micro, alors qu'il ne fait que deux ans, quoi. Et encore, je dis deux ans, mais je m'en servais pas tous les jours, je m'en servais vraiment quand je faisais mes let's play, donc ça fait cher pour le résultat, quoi. Parce qu'au bout du compte, le truc, il a quoi, allez, on va dire, peut-être une centaine d'heures, et encore, je suis même pas sûr. Donc ça fait cher pour la durée de vie, quoi. Mais là, je vais me renseigner, là. J'ai déjà regardé une vite fille, j'ai trouvé des bons micros. Ça devrait pas être... Après, il y a plein de vidéos sur YouTube où il y a des gens qui parlent de micros, qui font des tests micros, donc il faudra j'aille voir ça. J'irai pas au moins cher, mais j'irai pas au plus cher non plus. Ça, c'est sûr. Allez. Ah, si vous entendez un enfant pleurer, c'est le mien. Allez, dégage. Ah, et ça se bouge, j'ai craché la... Merde, j'ai craché l'adversaire, Claude, il était encore dans le ciel, quoi. Oh, une belle voiture bleue dans le ciel. Est-ce une voiture? Est-ce une comète? Est-ce un avion? Eh ben non, c'était juste un takedown dans sa tronche. Ouais, les concentrations du tableau de la merde là. Ok. Bon, j'ai l'or, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ok, bon. Nouvelle épreuve. Et là, c'est quoi? Tout le monde va bien? Vous êtes sur Crash FM. Éliminateur. Ok. À voile, hôtel de luxe, désolé, je parle un peu du nez hein, depuis le début de la vidéo. Tant mieux, parce qu'ils en auront besoin après notre passage. Allez, tout le monde. Oh, bon, autant qu'on garde celle-là. Hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a même pas de différence du tout entre toutes les voitures. Alors. On prend au hasard. Si vous êtes dernier en franchissant la ligne, soyez gentil de vous garer car, pour vous, la course est finie. Mais on se calme les gars là-haut. C'est quoi ça là? On m'agresse comme ça là dès le départ. Enfin, vous pouvez pas attendre au moins... 30 secondes, sans déconner. Bon, tu sais pas. Après tout, hein, c'est eux qui ont commencé. Hein, ouais. Je suis un mouton, je suis le mouvement. Allez, c'est parti. Oh merde. Ah bah super, encore un demi-tour, mais dis donc. C'est la vidéo du demi-tour. Je vous ai déjà dit les gars, j'ai un rétro, c'est bon, j'en ai même trois, un côté droit, un côté gauche et un central, que demander de plus, ouais, mais... bon je dis bien, moi je dis des conneries, mais faut pas que j'arrive dernier quand même, parce que si j'arrive dernier, eh ben j'y vais perdre, bon j'arriverai pas dernier, ça c'est sûr, parce que l'autre vient d'avoir un accident. Burnout3.ie.com, ça... Oh la vache! Ah ouais? C'est fait comme ça ici. C'est très bizarre. Ils ont fait un virage dans le virage. C'est très surprenant.
Même pas un after touch. Non, sans déconner, c'est quoi ce connerie? J'ai rien dit, mais j'ai pas fait le malin quand j'ai vu toutes les bagnoles arriver. Je ne vous cache pas que je les avais pas du tout vu venir. Et hop, toi tu dégages. Dattinelli. Eh hey. Maman, t'as fait de pâte. Il a fait de la bonne pizza. Il a fait de la bonne sauce de tomate. Oh putainaise. Un peu plus, je loupais le virage. Je me suis rappelé au dernier moment que c'était pas une ligne droite. Alors qu'il y a un gros truc lumineux qui nous dit « Tournez sur la gauche, tournez sur la gauche. » Oh, mais c'est pas possible. Non, personne veut faire un after touch. Non, bah y'a personne, mais c'est cool. Le ralenti le plus long du monde. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un. Ah, je vois une voiture qui arrive. Je vois une voiture qui arrive. Oh non, mais c'est une blague, sérieux. Je suis sûr que j'aurais pu faire un after touch là. Punaise. Une course va démarrer sur la Riviera. 6 caisses de folie vont foncer jusqu'au casino en passant par la berge, puis franchiront la colline et le tunnel souterrain jusqu'au grand hôtel avant de okay. Rouler à fond vers la bon, ligne allez. De départ. Troisième ne tour. Il me colle au cul, lui, il commence à me saouler. Ah non, sérieux, ça me stresse, mais... Enfin, ça me stresse, non, mais je déteste ça. En plus, je chope pas d'accident, rien, j'essaie de bien conduire, quoi. Je conduis comme une merde, mais j'essaie de bien conduire quand même. Je gère dans les virages, dans certains virages et tout. Et là, je vois sa putain de roue avant passer, là, derrière moi, là, son petit pare-choc frôler le mien, là. Ça me saoule. Mais t'es obligé de lui faire un takedown, non, c'est pas possible. Hey, salut toi. T'as décidé... Bon, mais ok, d'accord. J'ai l'air d'être décidé de passer devant, mais apparemment il va rester derrière. C'est pas ce qu'il veut, lui. Putain, je l'ai vu. Bah, c'était déjà trop tard. Allez, je reste concentré. Oh, mais c'est pas possible. Pourquoi à chaque fois, enfin, pas tout le temps, mais 80% du temps, à chaque fois que je dis qu'il faut que je me concentre, c'est là que ça m'arrive le plus de problèmes dans les jeux, comme c'est fou ça quand même. Magnifique. Bah, je m'applaudis pas parce que je joue, mais
Je trouve que j'ai très bien pris ce virage. Si un peu la donne. Bon, un peu moins les mais autres, mais on n'a rien vu. Puis j'ai le nom maintenant. Oh mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fout derrière moi, lui? Et mec, on est au dernier... Oh la vache. On est au dernier tour. Je vais peut-être pouvoir le doubler là. Oui. Oh oui. Allez, go, go, go. On se concentre. On prend le haut. Oh là là. Allez, 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 allez. On se concentre. Quoi, on se concentre pas. Non, allez, on appuie sur le nitro, puis on attend que... Ouh, la vache. Et en plus, il se cache à la fin, quoi. Ah la vache. Ah, oh, j'ai franchement cru que j'allais paumer, là. Ah, mais comment il a été tenace, lui, là, le bougre. Putain, sans déconner. Ah, il a démonté les sièges arrière, c'est pour ça qu'il roulait plus vite. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Crash FM de retour, le ciel brille. Oh, Road Rage 2. À 7h de la journée, aucun client n'en compte. Tac, sans de ouf que j'ai. Le pauvre serveur s'ennuie. Ah, je m'en suis donné des frissons. Ouais. Disperser, c'est quoi? C'est poils, c'est cendres, c'est. Je ne sais pas. Bon, allez, je fais l'idiot comme ça, mais. Là, je vais commencer à taper dans les courses relativement chiantes. Crash FM de retour. Le bon, ciel allez. Brille, le soleil est bleu et vice-versa. À 7h de la journée, aucun client n'encombre les terrasses de café. Bon, c'est mon troisième essai. Non, que dis-je, quatrième essai. Sur toute la route. À chaque fois, je suis en manque de temps. J'ai pas assez de temps pour détruire toutes les voitures. À chaque fois, il m'en manque une ou deux. Mais j'ai pas assez de temps. Donc là, faut vraiment que je gère dès le début, en fait. Faut que je sois... Ouh, la vache. Faut que je sois prudent, mais agressif. J'ai dit... Agressif. Bon, mais s'il n'y a pas de voiture, déjà, je suis pas dans la merde. Ah. Ça fait plaisir. Voilà. Attention. Voilà, c'est bon, ça. Oh là 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 là. Ah, voltise-toi, comme dirait Spider-Man. Bon, lui, il a fait un petit saut curieux devant moi. Tranquille. Ouais, vu que c'est ma quatrième tentative, c'est que vu que je vais jusqu'au bout à chaque fois, en fait, c'est que ça me comptabilise les points, les takedowns et tout. Et j'ai gagné. J'ai fait un triple takedown. Ça me l'a déverrouillé, donc je vous le mettrai après la course là. Excusez-moi, j'ai oublié que j'avais le nez bouché, j'ai voulu respirer, ça fait un bruit chelou. Le mec il oublie qu'il a enrhumé, il est balèze quand même. Je vous dis, des fois j'ai pas la lumière à tous les étages, moi, c'est pas possible ça. Bon, allez, enfin, bref. Oh là là, c'est bon ça. C'est bueno bueno. Je dirais même c'est Kinder Bueno. Allez. Ah le coquin. Il m'a tapé dedans, j'ai pas pu le défoncer l'autre. Ah, va labourer le champ toi. Voilà. Oh putain la vache. Je sais pas ce qui s'est passé mais il a rebondi contre moi lui. Bon allez, plus que 5, je suis à 1 minute. C'est faisable, c'est faisable. C'est faisable. Je garde espoir. Allez, toi, tu dégages. Toi, attends. Hop là! Non, c'était pas toi que je voulais défoncer, mais c'est pas grave.
Le principe est le même. Allez, allez, allez. Voilà, le 19ème. Je suis à 34 secondes. Oh, faut que j'en éclate une, faut que j'en éclate une. Ah non, mais pas moi. Oh non, j'espère que ça va pas me... Ça va pas me bousiller tout le temps. 24 secondes, super. Bon, j'ai encore le temps, faut pas que je me foire. Allez. Hop, ça c'est cadeau. Et c'est bon, j'ai l'or. L'or à la maison du café. Oh ouais. Excusez-moi pour ce petit moment d'écartade. Allez, dégage. Oh bon, tant pis, c'est pas grave. À la casse, c'est pas grave, j'ai l'or. Ouais, je... À chaque fois, il me manquait du temps. J'arrivais toujours à 19, 18 voitures. C'est très frustrant quand il nous manque plus qu'une ou deux voitures à détruire et que le temps soit trop court. Enfin, bref. Voilà. Donc le premier triple takedown a été fait. Ok, bon, ben moi je vais m'arrêter ici. Donc ben écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment sur cette petite vidéo. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire ce petit let's play. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est point déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 10 de Burnout 3 Takedown. Allez, salut !